Merci infiniment, merci. On passe à la dernière des communications de ce panel, par Astrid Chabrak-Ladjian, qui est doctorante à l'UN2 et qui va nous parler de la scène palestinienne à l'épreuve des accords d'Oslo. Je la laisse dire. Merci Dominique. Alors Omar n'est pas là, donc je le remercie aussi. C'est ma première participation à ces éditions, comme toi, il me semble. Oui, tout à fait. Et c'est très agréable, autant pour ce qu'on y entend, ce qu'on prend en note, mais aussi voilà, comme lieu de retrouvailles et de rencontres. Et son équipe, alors je ne sais pas si c'est tous ses étudiants, mais on a quand même une équipe de jeunes aussi efficace qu'agréable, enfin sympa, donc c'est hyper chouette. Alors, on va faire un bond un peu thématique. Moi, je vais vous parler des conditions de production du théâtre palestinien après les accords d'Oslo. Donc, plus à mettre en lien avec la communication de Pauline et de Talal hier, respectivement, sur l'Égypte et le Liban. Alors, en 1993, donc, les accords d'Oslo, qui avaient pour objectif l'établissement d'un État palestinien indépendant, hein, prévu à l'origine de vendre la signature des accords pour 1999, donc c'est un échec, ont reconfiguré à la fois donc, la société palestinienne et le rôle de l'international, de la communauté internationale à son égard. Et c'est ces deux grandes lignes que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire les conséquences internes pour l'activité théâtrale et les conséquences en lien avec l'international. D'abord, donc la première conséquence d'Oslo, c'est la création de l'autorité palestinienne, qui est l'institution exécutive de l'autonomie des territoires, et elle est censée faire transition avec un État indépendant. L'Union européenne devient donc à partir d'Oslo la principale pourvoyeuse des territoires, c'est-à-dire que ok, les États-Unis gardent le contrôle, le chapeautage, voilà, politique. Mais c'est l'UE qui devient, voilà, qui perfuse dès lors économiquement les territoires palestiniens. Donc, l'autorité palestinienne devient l'interlocutrice des théâtres. Les artistes comprennent qu'ils doivent désormais s'adresser à elle pour la mise en place de projets. Mais dès le départ, ils pointent du doigt donc, ces défaillances qui sont autant d'ordre organisationnel que logistique. Des ministères sont mis en place parallèlement, dont un ministère de la Culture en 1994. Ce ministère, il n'est pas pourvu d'un département de théâtre. Hein. On a une personne qui est affectée à cette tâche. Et ses ressources sont très minces. Hein. On est sur 150 000 euros annuels, qui évidemment ne sont pas voués exclusivement au théâtre. Donc c'est une partie de ces 150 000 euros. Et comme vous pouvez l'imaginer, donc les subventions du ministère de la Culture sont donc au compte-gouttes, éparses, ne peuvent assurer aucune production dans son ensemble, ou très peu, en fait, sur le territoire. En plus, parce qu'il est localisé à Ramallah, qui est donc le siège, là où est localisé le siège de l'autorité palestinienne, on peut remarquer une centralisation, la distribution de ces financements à Ramallah. Le ministère consacre, donc en l'occurrence, c'est 0,003% de son budget global. De cette manière, on peut presque interpréter que la culture n'est pas une priorité pour l'autorité palestinienne, d'abord, puis ensuite, c'est presque le rôle donc de l'art et de la culture comme possible forme de résistance et de lutte contre l'occupation qu'elle semble remettre en cause. Voyez. En termes de politique culturelle, donc, ce manque de ressources et la faible implication de l'autorité palestinienne induisent un modèle palestinien non systématisé et avec une orientation limitée. Donc jusqu'à aujourd'hui, hein, le ministère de la Culture reste critiqué par les différents acteurs culturels, notamment parce qu'il n'a pas été en capacité de déterminer son propre rôle et son positionnement en tant qu'acteur majeur de la scène palestinienne. Et parce qu'il est aussi alimenté par des aides internationales, il peut être accusé d'être un simple outil de redistribution
de l'aide sans pour autant être en mesure d'assurer la pérennité des institutions. En plus, l'autorité palestinienne a une juridiction limitée puisque les accords d'Oslo découpent la Palestine en les territoires palestiniens en trois zones. Zone A avec les villes, les plus importantes villes palestiniennes, la zone B avec les villages, mais rien que dans cette zone B, Israël a des responsabilités en termes de sécurité, et la zone C, 60% des territoires, qui reste sous contrôle israélien et qui est la seule zone qui n'est pas discontinue. Donc la zone C vient entourer et ceinturer la zone A et la zone B, et évidemment c'est dans cette zone qu'il y a les checkpoints. Donc, pour se déplacer d'une zone à l'autre, c'est évidemment sous condition de permis, en soit c'est impossible, soit c'est sous condition de permis, il en existe une trentaine de différents qui restent au bon vouloir de l'armée israélienne. On imagine bien pour l'activité théâtrale dont le propre est de rassembler une équipe dans un lieu, puis un public dans ce même lieu par la suite, cette fragmentation du territoire, elle met à mal les conditions même de l'activité. En plus, Jérusalem est marginalisée, évidemment, hein, Jérusalem est administrée par Israël. Donc pour le public ou les acteurs qui, par exemple, sont à Bethléem, rejoindre Jérusalem, c'est sous condition de permis. Et l'autorité palestinienne n'a pas de juridiction à Jérusalem. Donc il est impossible pour le ministère de la Culture de subventionner le théâtre national palestinien Al-Hakawati, qui est situé à Jérusalem-Est. C'est pour ça qu'on a deux théâtres qui, à l'origine, étaient de Jérusalemites, qui déménagent à la suite des accords d'Oslo à Ramallah, là où, en plus, on observe une centralisation des financements. C'est donc plus compliqué pour les théâtres qui sont notamment à Beit Jalla, mais particulièrement à Jénine, puisque du coup, on est tout au nord de la Palestine, et c'est un peu voilà, les grands oubliés des subventions du ministère de la Culture. En 2000, l'intifada al-Aqsa éclate. Donc, évidemment, on commence à comprendre l'échec d'Oslo. Et l'aide internationale, elle se régularise. Il n'est plus question d'en être indépendant, mais il est question d'assister la société palestinienne malgré l'occupation. Quand on observe le rôle donc, des bailleurs de fonds internationaux, on remarque que ce rôle met le théâtre palestinien sous condition. Et que ces conditions sont de deux ordres, donc d'abord structurelles, puis politiques. Structurelles parce que depuis 1993, les théâtres palestiniens, donc normalement organisés en tant que comité, hein, association, doivent s'enregistrer en tant que ONG auprès du ministère des ONG pour capter des fonds internationaux. Les ONG sont assez critiquées en Palestine, alors évidemment il y a ONG locale, ONG internationale, évidemment il y a une différence entre les petites ONG comme les théâtres, hein, où on n'a jamais plus de 10 salariés, et encore c'est rare, puis aujourd'hui il y a plus de théâtres palestiniens qui ont 10 salariés, hein, et les grandes ONG, mais les théâtres doivent en adopter et la langue et la méthodologie. C'est-à-dire que pour capter ces financements, ils doivent être en mesure de parler l'anglais, de comprendre et de manier un champ lexical et une méthodologie donc, qui est commune avec celle des bailleurs. Donc c'est une maîtrise technique, des compétences spécifiques. Il s'agit de répondre rigoureusement, de rendre des rapports hein, avec des bilans d'activité. Très clairement, c'est montrer patte blanche aux bailleurs de fonds et puis essayer d'en séduire, d'en attirer des nouveaux, d'en convaincre des nouveaux. Puis les théâtres qui ne peuvent développer ces compétences n'ont pas accès à la professionnalisation. C'est pour ça que ces conditions structurelles, c'est vraiment une condition à la professionnalisation. C'est-à-dire que on voit aussi l'apparition de nouveaux postes dans les équipes qui n'existent pas auparavant, conseillers en financement, responsables des partenariats internationaux, etc. Sous conditions politiques, enfin, donc les conditions, elles sont évidemment pas d'ordre seulement logistique, puisque en fait l'aide internationale, elle s'insère dans le processus de paix. C'est-à-dire qu'au départ, de 93 à 2000, à l'intifada, les bailleurs vont subventionner des projets dans une logique de coexistence. Hein. C'est-à-dire qu'on va miser sur des projets qui impliquent une équipe mixte israélo-palestinienne, que ce soit de toutes sortes de collaborations hein, sportives, culturelles, artistiques et théâtrales, évidemment. Mais bon, à partir des années 2000, il est plus difficile d'assumer ces projets de coexistence, ou en tout cas, il y a une vraie résistance hein, côté palestinien. Donc, on va passer de projets de coexistence à des projets de développement,
hein, sans surprise, puis des projets dits citoyens. Postuler donc à ces projets implique souvent de pouvoir répondre à la neutralité souhaitée, à l'exigence de la neutralité des donateurs et particulièrement hein, de l'Union européenne qui est la pourvoyeuse principale, je le rappelle. Donc les projets de théâtre peuvent être neutres, se focaliser sur voilà, des problèmes très spécifiques au point de faire l'impasse sur les racines de l'occupation. Enfin, l'exigence de neutralité, elle est imbriquée avec la lutte contre le terrorisme de l'Union européenne. Et donc déjà, on voit qu'avec le flou de la notion, hein, il n'existe pas de définition consensuelle de terrorisme. Alors on voit comment on peut impliquer des difficultés pour la représentation de la résistance palestinienne au théâtre, hein, puisque si l'UE définit comme terrorisme, comme le fait Israël, les résistants palestiniens, donc voilà, ça vient aussi façonner les représentations. Et puis, bah, depuis fin décembre 2009, début janvier 2020, l'UE a fait passer une clause antiterroriste aux aides qu'elle verse aux ONG palestiniennes. Cette clause impose de n'avoir aucun lien avec des organisations dites terroristes. Il faut savoir que des partis politiques palestiniens sont catégorisés comme terroristes par l'Union européenne. Et les théâtres et les ONG qui ont refusé de signer cette clause se sont vus supprimer leur financement. Donc même un théâtre qui avait par exemple le privilège en Palestine d'avoir des frais de fonctionnement, voilà, le refus de cette clause à le théâtre, et du coup il n'y a plus de frais, et c'est ce qui s'est passé pour le Théâtre de la Liberté de Jenin, dont vous avez entendu le directeur artistique hier. Dans ce climat, on observe un changement dans le vocabulaire utilisé par les théâtres, en tout cas sur leur vitrine, c'est-à-dire sur leur site internet. C'est-à-dire que les termes directement politiques, militants, liés à l'identité nationale, la lutte contre l'occupation, se sont supplantés par société civile, employment, voilà, projet citoyen, etc. On pourrait conclure en se disant que les théâtres palestiniens, en tant qu'ONG parmi les ONG, subissent aussi la tendance à la dépolitisation qui frappe le secteur des ONG palestiniennes. D'accord. Et dans l'autre sens, ça fait 9. Non, non, ça fait... ça va pas non plus. Ok. C'est bas... je conclue, c'est pas fait, en fait. Non, mais il y a du... Et pourtant, et je vais conclure avec ça, avec une conclusion que j'ai appelée « jeu d'adresse, marge et manœuvre des théâtres palestiniens », malgré donc, ce contexte de production, qui est quand même très très étroit, et la tendance donc, qui frappe le secteur des ONG, ok, les pièces de théâtre créées post-Oslo ne répondent pas directement à la cause politique nationale, hein, selon l'artiste de théâtre Radi Shahadeh. Elles participent à la circulation, cependant, et la revendication d'une histoire et d'un récit palestinien. Notre étude, donc exhaustive donc des 5 théâtres les plus professionnels des territoires palestiniens, des créations depuis 1993 à aujourd'hui, révèle que les points de litige majeurs et les irrésolus hein, d'Oslo, c'est-à-dire la question des frontières, le statut de Jérusalem et le droit au retour des Palestiniens de la diaspora, n'ont de cesse d'irriguer la création palestinienne, au point que, d'une manière ou d'une autre, aucune création ne s'affranchit complètement de ces questionnements. Surtout, les théâtres et les artistes déploient des stratagèmes pour conserver leurs agendas politiques propres et ainsi lutter contre la dépolitisation souhaitée, attendue par les bailleurs. Ces stratagèmes résident, je les cite rapidement, dans l'utilisation d'un certain langage. C'est pour ça que j'appelle ça jeu d'adresse, c'est-à-dire que ce qu'on s'adresse aux bailleurs ou qu'on s'adresse au public hein, pour observer du coup sur le terrain, on peut s'approprier des termes qui en plus sont très larges, vous savez bien que vous voyez citoyen, employment, etc. C'est facile de parce qu'ils ne sont pas cadrés, de se les approprier et de les mettre en action différemment avec le public. Et en l'occurrence, ça s'observe énormément. La création de réseaux internes, il faut le rappeler, hein, l'alliance PAN, Palestinian Performing Arts Network, qui regroupe les organisations du spectacle vivant et qui a l'objectif, donc plus de 135 ONG, qui a quand même pour objectif de protéger les droits du secteur. Hein, donc c'est aussi cette forme d'alliance qui peut aider.
et la pratique aussi de formes théâtrales participatives. Donc on en voit pas mal en Palestine, hein, que ce soit le théâtre Fawam par le théâtre Ashtar ou le Playback Theater par le théâtre de la Liberté. Évidemment, c'est des formes, on ne peut pas contenir le contenu au préalable, on ne peut pas conditionner ces formes, et elles sont notamment développées, et en plus elles résistent à la fragmentation du territoire, puisque ce sont des formes qui sont, par leur aspect rudimentaire, mobiles. Donc on peut aller à rencontre des populations marginalisées des territoires palestiniens. Pour finir, donc, l'ensemble du système de distribution de l'aide internationale est défaillant. Les aides sont attribuées majoritairement par projets spécifiques encadrés par l'OTAN, et les équipes permanentes ou juste régulières prélèvent une petite part du financement obtenu par projet, le gardent pour essayer de rémunérer les équipes jusqu'au projet suivant. Donc évidemment, ça induit l'absence, la rareté ou le trop faible montant des frais de fonctionnement, ne permet pas donc d'assurer la pérennité des organisations, et ça induit d'enchaîner les projets. Et quitte à que ça ne relève pas d'un choix, mais il faut payer les équipes, donc on va accepter tel projet même s'il est conditionné. Les missions fondatrices du théâtre palestinien professionnel liées à la lutte contre l'occupation et pour la libération nationale, il faut savoir que le théâtre palestinien s'est professionnalisé en lien avec le mouvement national de libération dans les années 70, après la guerre de 67. Donc évidemment, ces missions fondatrices sont mises à bal. Les négociations quotidiennes avec les donateurs sont soumises à un rapport de force structurel qui réduit, mais n'efface pas tout à fait, les marges et les manœuvres des théâtres et des artistes qui y travaillent. Merci. Merci à toutes les quatre, et je voulais souligner juste au passage avec un peu d'humour que un panneau entièrement féminin tient le temps absolument. Ça veut dire beaucoup de choses. Et ça veut dire beaucoup de choses. Donc ce qui fait qu'il nous reste un quart d'heure pour discuter. Oui, est-ce qu'on peut donner le micro? Ah, il est. Ma question est pour Daniela. Par rapport à ton travail de traduction pour Atiel Al-Fatou, tu as toi-même mentionné les limites de la traduction, qui ne prend pas en charge d'expliquer ou de suggérer aux spectateurs les éléments de référence à la culture. Et je voulais savoir, puisque l'auteur syrien, le dramaturge syrien était là, l'adaptateur ou le metteur en scène italien était là, la traductrice et toi étaient là, donc heureusement il n'y a personne qui est mort et on n'est pas dans une configuration classique d'une adaptation. Est-ce que le dramaturge syrien a essayé d'intervenir dans ta traduction? Est-ce que toi, tu as essayé, puisque tu t'es rendu compte avant ou pendant le spectacle, de la limite de cette traduction, qui justement ne reprend pas les références culturelles? Et est-ce que le metteur en scène italien, il y a eu une communication entre vous trois, a essayé, puisque dans le texte italien, il n'y a pas ces références, a essayé dans la mise en scène de les suggérer ou de les expliquer aux spectateurs? Je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu ce travail collectif où il n'y a pas eu de chacun travailler tout seul? Merci beaucoup de cette question. Tout premièrement, pour moi, c'était la première fois que je traduisais pour une mise en scène, parce que sinon, je n'avais traduit que des textes, donc avec la possibilité de notes. Alors, dans l'ordre, je vais essayer. Moi, je m'attendais que quelqu'un... D'abord, l'écrivain, Wael Qadour, il n'est pas intervenu dans le procès de traduction, mais il était disponible. Et de l'autre côté, moi, je n'avais pas de problème dans la compréhension du texte. Parce que pour moi, le texte, il était clair. Même dans la transposition en italien, pour moi, il n'y avait pas de problème. Moi, j'ai rendu ce que je voyais dans le texte original. Ça ne me posait pas de problème de le rendre en italien. Wael Qadour lui-même, quand il a écrit son texte, en utilisant aussi le dialecte, on ne peut pas perdre le contexte de référence.
la langue, elle est là. On est toujours en Syrie, on le sent, si on voit la pièce jouer en syrien. Je pense que le passage suivant, c'est-à-dire quand le metteur en scène a reçu mon texte traduit, il s'est pas rendu compte que dès que je l'ai traduit, il y avait un aspect, celui donné par la langue, qui manquait. Donc bien sûr, le fait que tous les personnages mangent ensemble le makloub, par exemple dans une mise en scène au Liban, cet aspect il était même souligné. C'est ce que Walid Qadour m'a dit. Parce que voilà, le metteur en scène il avait bien apprécié ce moment de convivialité joué autour de quelque chose de traditionnel. Le metteur en scène italien, il n'a pas du tout perçu ça comme quelque chose d'important. Donc voilà, les personnages à un certain moment cuisinent pour manger ces plats qu'ils prononcent même mal. Donc il y a des aspects vraiment qui ramènent à la Syrie. Moi je les avais rapportés. Mais après, le metteur en scène italien, il ne les a même pas perçus. Il était complètement en dehors de tout cela. On a mangé ensemble le soir de la première. Mais voilà, il m'a juste dit qu'il avait adapté un peu la traduction parce qu'il a aussi raccourci la pièce. Donc, c'était pour des besoins de temps et pour la façon dont il voyait la pièce. Walid Qadour, il a perçu qu'il y avait ce manque, ce changement finalement. Et lui, il m'a dit, moi aussi, je suis metteur en scène, je respecte son travail. Mais le metteur en scène italien, il ne pouvait pas avoir accès. Il y a un truc qui manque entre la traduction et l'adaptation. Oui. Comment le metteur en scène peut avoir, toi qui es au centre de tout ce travail, comment le metteur en scène peut avoir accès aux informations syriennes qui ont été traduites en italien. Donc, je pense que c'est je pose la question par rapport au travail de l'adaptation. S'il sait qu'un texte il est traduit d'une langue à l'autre et moi je suis la traductrice, il peut m'interroger. Mais il faut qu'il ait dans son esprit le fait que la pièce elle est en arabe. Peut-être qu'il ne connaît même pas le problème, la question de la diglossie, de la multiglossie. Et du coup, il est complètement en dehors de tout. Oui, c'est pour ça que. Et après, voilà, tu ouvres les sites du Théâtre National de Gênes, tu trouves des confessions, tu fais non, mais c'est quoi? Là, l'anglais n'a rien à voir du tout avec la pièce. Donc, vraiment, je pense qu'il faut souligner cet aspect linguistique parce que je ne sais pas exactement en France, mais je l'ai vu aussi dans des festivals français. Que le titre apparaît en anglais ou en traduction directement sans lire la pièce originale était. Voilà, le texte il perd complètement de sens et je pense que si l'écrivain du texte, l'auteur du texte n'est pas lui-même le metteur en scène, il faudrait quand même dire qu'il y a une langue à la base de ce texte-là, s'il est traduit. Donc voilà, moi c'est surtout ça. Je pense qu'il faut qu'on développe une conscience par rapport à l'ouvrage. Et là, il faut considérer aussi la langue du texte. C'est une chose qui passe complètement inaperçue, comme s'il n'y avait pas de langue au début. Parce qu'elle a des messages, elle a des contenus. Donc il fallait les transposer aussi. Merci. Dans le même contexte. Tout à fait. Et ensuite, Zahir. Le problème là, je l'appelle problème parce que le traducteur était là et le metteur en scène devrait quand même avoir un accès vers la traductrice. Je crois que c'est la raison pour laquelle il y a les dramaturges entre l'auteur et le metteur en scène. Donc, le dramaturge, il peut résoudre ces sortes de problèmes. Malheureusement, le metteur en scène italien, apparemment, il n'a pas intervenu un dramaturge. Puisqu'il n'a pas appelé à vous, en plus, il n'a pas de dramaturge, il a loupé un certain détail. Je crois qu'il est très important, surtout le plat makloba, c'est très connu dans les sociétés syriennes, libanaises. Il a un symbole. Il n'a même pas contacté l'auteur. Parce que ça, j'ai demandé à Walid Qadour, il était persuadé que moi, j'avais été contactée. Et puis, parce que j'ai rencontré l'écrivain personnellement les jours avant la première, on s'est rencontrés à Djane. Et puis, il m'a demandé est-ce qu'ils t'ont contacté. Je dis non,
toi, elle fait non. Il me disait bizarre. Je me dis, okay. Est-ce qu'ils ont payé le droit d'auteur dans ce cas-là? Il faut que je lui demande. Ouais, parce, voilà. Parce que le fait qu'il a contacté personne, il a monté le spectacle, et voilà, basta. Oui. Pardon. Moi, je pense que le problème de la traduction est assez particulier, surtout au théâtre. Surtout. Mais dans tous les textes, toute traduction est trahison par essence. On ne peut pas, évidemment, transposer un texte d'un univers à l'autre sans qu'il y ait un glissement vers un autre sens. Parce que la langue est chargée culturellement et immanquablement, quand on traduit un texte d'une langue vers une autre, bien entendu, on ne peut pas respecter intégralement. Moi, j'ai eu, en tant que directeur de l'ISADAC et puis membre fondateur de l'Institut international du théâtre de la Méditerranée, nous étions 24 pays de la Méditerranée. On a eu beaucoup d'expériences dans ce sens, de traduction, en travaillant sur des textes d'origine. Par exemple, à l'ISADAC, on avait travaillé sur Gilgamesh. À l'ISADAC, il fallait traduire en arabe pour présenter le spectacle au Maroc. Donc, on a demandé à un auteur marocain, qui était Youssef Adel, de transposer, pas de traduire, mais de transposer la traduction de Botero de Gilgamesh. Et il a écrit un autre texte, toujours dans l'univers de Gilgamesh, avec les mêmes personnages, mais il a actualisé plus ou moins le texte de telle façon que, quand on a vu le spectacle, on avait l'impression de voir une histoire tout à fait marocaine sur les événements du Maroc actuel. On a présenté le spectacle à Marseille, il fallait faire le spectacle en français. C'était un autre spectacle, un autre univers qui n'avait rien à voir avec l'univers du spectacle, du texte de Youssef Fadel. Vous voyez, et des expériences comme ça, il y en a énormément, parce que justement la traduction par essence est une trahison et qu'on ne peut pas. Alors là, évidemment, entre le génie du traducteur, mais aussi au niveau du théâtre, du metteur en scène. Oui. Comment chercher cette, quand on le montre pour un public bien déterminé, dans un pays bien déterminé, comment essayer de trouver par exemple, on avait fait une expérience très intéressante, parce que ce problème s'est posé avec Iphigénie, l'un des ateliers de réalisation théâtrale à l'ISADAC. Un problème, comme les étudiants ne maîtrisaient pas parfaitement la langue française, hein, pas tous, et secondo, on devait présenter le spectacle au Maroc et pas en France, on a trouvé une solution pour la compréhension du texte en français. Et on a demandé à un professeur de l'université, professeur de théâtre, de faire des glissements sémantiques sur certains passages qui devraient poser problème au niveau de la compréhension. Et à ce moment-là, vous voyez, les moyens sont multiples, justement, quand on passe d'un texte, d'un univers à un autre. Bien sûr. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a vu... C'est le problème, par exemple, la différence entre l'autotraduction, comme pour Aïcha Yaacoubi, qui adapte son texte au public, aux différents, à l'écrit, à l'oral, à la représentation au Maroc, en Espagne, etc. Oui, ou bien, alors, et Victor Hugo, encore plus. Dans le dialecte égyptien. Ah. C'est la question de traduction. Bon, si c'est pas l'autotraduction ou si c'est pas fait en association avec quelqu'un qui connaît le contexte, enfin là c'est l'extrême que a vécu Daniela. Il faut qu'on se mette d'accord. Si on me demande en tant que
traductrice, pardon. Si on me demande un tel travail, je le fais, je peux adapter le texte, je peux rendre le texte de la façon dont il évolue pour un certain contexte. Mais il faut d'abord que je parle avec l'auteur, parce que je ne vais pas faire ça tout seul, parce que bien sûr le texte va être transformé. S'il y a toujours le texte de cet auteur-là, je ne peux pas faire trop de changements. Aussi, je peux, mais il faut que j'en parle avec lui. Et d'abord, le théâtre, il faut qu'il me demande de faire ça. Parce que sinon, moi, je ne prends pas la liberté d'adapter le texte comme moi je veux, comme moi je le sens. Moi, je suis un outil, c'est tout. On a une dernière question, peut-être. Oui. En fait, vous avez bien cité Ouad Fatour, qui est un ami. En fait, c'était j'ai lu ce texte avant qu'il soit édité. Et j'apprécie ces jeunes. En fait, Ouad Fatour, Rahim Ghafri, Moudar Haji, on les a connus même de mon retour en France. Ils ont commencé avec une nouvelle, avec un étant dramaturge, ce qu'il a dit ici tout à l'heure. Et maintenant, en Syrie, les nouveaux metteurs en scène, ils disent dramaturge ou akhraj. On essaie de valoriser. Parce qu'on a une vieille génération qui n'admet pas, même Fraise Kaza, c'est qui le dramaturge? Dégage. Je veux travailler comme dramaturge. Gratuitement, il n'accepte pas. C'est lui le maître. C'est grave. Vous voyez, je suis dans le monde, je sais de quoi je parle. Par contre, quand vous traduisez, c'est ça ma question, vous avez parlé de l'universel monde aussi, pas que je connais, parce que oui, vous avez travaillé oui, le théâtre instrumental. Quand vous avez travaillé une anthologie, parce qu'une anthologie, c'est pas rien aussi. Moi, je suis dans la traduction du français vers l'arabe, au Koweït comme en Syrie. Alors, est-ce que vous avez pris en considération l'existence ou bien les textes qui sont en Syrie ou bien juste ou El Kadour, Moudal Haji, ceux qui ont immigré, qui ont la chance d'être en Europe et de contacter la maison Vitesse, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on donne la chance à ceux qui sont là. Quand on est en Europe, comme on donne en Syrie, on donne la chance à ceux qui sont là-bas. Et bizarrement, c'est le Liban qui écrit sur les deux. C'est la presse libanaise qui écrit sur ceux qui le payent. Et ceux de l'étranger. Oui, je ne l'ai pas dit, le sous-titre de l'ouvrage, donc l'ouvrage s'intitule Existence, et puis, je ne sais pas si je l'ai dit, le sous-titre c'est les écrivains, je ne me rappelle pas exactement, mais puis c'est de la révolution, entre révolution et diaspora, tra révolution et diaspora. Donc c'était pour, le but de l'anthologie, c'était de recueillir les textes de quelques... Oui, parce qu'en plus, il y avait la mise en scène de certaines de ces pièces. Il y avait un accord avec le Campagne Théâtre Festival, donc un festival qui se déroule à Naples chaque année. Et donc, il fallait que les artistes arrivent facilement. Oui, c'était un choix du projet. Pour ceux qui sont édités chez eux, ils ne peuvent pas venir. Vous n'avez pas fait ce choix. Juste pour ceux qui sont en Europe. J'étais pas dans l'organisation du projet, mais je peux très bien comprendre pourquoi ce choix n'a pas été fait. Parce qu'il est très facile qu'après, il y ait des problèmes pratiques pour la mise en scène. Mais juste une petite remarque pour terminer. Par exemple, dans le cadre de Nimer Salamoun et aussi une autre auteure sur laquelle je travaille qui est irakienne, Bahir Abdelatif, ils sont bilingues. Et c'est vrai que la notion d'adaptation, parce que j'ai comparé les deux versions, dans un même ouvrage qui a été publié en Espagne, on a la pièce en espagnol et on a la pièce en arabe, et elle adapte. Pour vous donner un exemple concret, la langue espagnole est une langue très... je dirais avec beaucoup de vulgarité à l'oral, hein, ça fait sa spécificité, et elle m'avait expliqué, Behrar Latif, qu'elle avait enlevé tous ces éléments-là, parce qu'elle me dit, le public arabe, on ne peut pas parler aussi crûment que ça. Et voilà, et donc c'est plus une adaptation, même les auteurs font ce travail-là. Donc j'ai pas, dans le cas des deux auteurs, on n'a pas les traductions littérales, mais plus des adaptations à la réception. Comment il s'appelle l'auteur irakien? Behrar Abdelatif. Behrar. Oui. D'accord, okay. Elle travaille en Espagne, maintenant, elle est professeure là-bas. D'accord. Mais elle est partie en 96 de l'Irak. C'est un jeune ou tu le connais? Elle a 50 ans. Oui, elle est connue. C'est une militante aussi des droits des femmes. Ah oui? Oui, oui. Très bien. Si vous voulez, vous allez voir. Il faudra faire sa connaissance. Non, je connais un certain Bahira. À l'époque, est-ce que c'est la même ou pas? Je sais elle pas. Est poétesse. À la base. Elle travaille pas dans le théâtre Non, elle a publié uniquement une pièce qui a été primée. Je connais Barrera, comédienne. Elle a... on va discuter de ça au déjeuner et on laisse Omar conclure. Merci.